Bonjour les amis, bienvenue pour cette vidéo de conjugaison dans la série Un verbe par jour, le passé composé. Mister D vous présente aujourd'hui le verbe numéro 3, c'est le verbe danser. Danser au passé composé. Avec quel mot emploie-t-on le passé composé? Petit rappel, le passé composé ce n'est pas du présent, donc ça ne se passe pas en ce moment ni bientôt, ce n'est pas du futur, donc on utilise le passé composé avec des mots comme avant, ou hier, ou le mois dernier, la semaine passée, il y a quelque temps. En tout cas, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Comment conjugue-t-on danser au passé composé? Danser, ER, danser, c'est un verbe du premier groupe, un verbe en ER. Donc c'est un verbe régulier, c'est un verbe facile à conjuguer. Au PC, au passé composé, on le conjugue en deux mots. Premièrement, un auxiliaire, et deuxièmement, un participe passé. C'est pour ça qu'on parle d'un temps composé, il est composé de deux mots. Ce n'est pas un temps simple, ce n'est pas un temps en un seul mot. Temps composé égale deux formes verbales ensemble. Alors premièrement, l'auxiliaire avoir va être conjugué au présent parce que le verbe danser a besoin d'aide. Pour se conjuguer, il est allé chercher un des deux auxiliaires. Il a choisi l'auxiliaire avoir qu'on conjugue G-A-I, tu as, A-S, il a, A, nous avons, O-N-S, vous avez, E-Z, ils ont, O-N-T, ça on connaît très bien, c'est facile. Et on a rajouté un participe passé qui ressemble à l'infinitif, mais cette fois-ci c'est danser et accent aigu. Alors observons-le, G-A-I, danser et. On a tout d'abord un pronom personnel de la première personne du singulier, c'est le J'. On a ensuite l'auxiliaire avoir qui est venu rendre service au verbe danser. Et enfin, on a le fameux participe passé qui ressemble à l'infinitif. Conjuguons donc maintenant ce verbe, le verbe danser au passé composé. C'est parti. J-A-I, danser et. Tu as A-S, danser et. Il a A, danser et. Elle a A, danser et. On a A, danser et. Nous avons A-V-O-N-S, danser et. Vous avez A-V-E-Z, danser et. Ils ont O-N-T, danser et. Elles ont O-N-T, danser et. Entraînons-nous avec les trois phrases du jour pour préparer l'interro, le test qui aura lieu bientôt en classe. Première phrase, elle a dansé avec lui hier soir. Elle a dansé, elle a dansé et. Pourquoi as-tu dansé avec lui hier soir? Pourquoi as-tu? A-S, trait d'union, tu, tu as, as-tu. Et dernière phrase, moi, je n'ai pas dansé avec lui. Je n'ai, N'apostrophe, pas, on est là à la forme négative, je n'ai, A-I, pas dansé, et on remarque, danser, et, danser, partout. Voilà, allez, c'était le verbe danser au passé composé. Papy et mamie s'amusent bien. Et quant à moi, je vous dis que c'est fini pour aujourd'hui et à bientôt.